dernier, ça a eu son visa pour venir en France. Ah bon? Et pourquoi? En tant que parent d'enfant français, il a eu son visa. C'est Aïcha Kamouz qui a partagé la vidéo de Daniel Sang partout où ça se trouve, c'est Aïcha Kamouz. Hein? Quand elle a fini de partager la vidéo de Daniel Sang, c'est comme ça qu'elle revient encore après. Elle dit que vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce que comment m'a envoyé comme ça là, et après maintenant, et tu protèges quelqu'un qui t'a envoyé une vidéo. Tu publies les messages, mais tu ne publies pas le numéro de la personne. Seigneur Jésus, attendez un peu. Tu vois comment tu es, Aïcha? Tu publies les messages que la personne t'a contacté pour te donner la vidéo de Daniel Sang. Mais tu bases son numéro de téléphone. Zamba Berabasco. Mais tu préfères venir mettre Daniel Sang, lui, à la vérité populaire. Mais tu bases le numéro de quelqu'un que tu dis que tu ne connais pas. Tu caches son numéro de téléphone. Ah bon? Et pourquoi? Pour qu'on ne puisse pas localiser la personne qui t'a envoyé la vidéo. Ça, c'est clair. Tu vois ton jeu? Tu vois ton jeu? Aïcha, tu es mauvaise. Et tu sais pourquoi tu as fait ça? Tu sais pourquoi tu as mis la vidéo de Daniel Sang dehors? Ça, c'est clair. Daniel Sang est victime de son succès. Daniel Sang est victime de son charme naturel qu'il a, que Dieu lui a donné. Son charme naturel, ben il est victime de ça. Même au niveau de son boulot, au niveau de ses collègues dans le cinéma, Daniel Sang est victime de ça. Mais mon frère, hey! Daniel Sang a eu son visa pour venir en France. Daniel Sang a eu son visa pour venir en France. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'ici en France, il est enregistré et il est reconnu comme parent d'enfant français. Et il est sur le point de venir retrouver sa petite famille ici-là. Oui, parce que même s'il vient, il peut venir ici, là, il suit ses choses, mais il peut voyager, il rentrer, il faire ses business. Lui, il va devenir maintenant, tu peux dire un homme d'appel plan, parce qu'il peut venir ici, là, il voit d'autres partenaires ici, là, il vient, il a d'autres chemins ici, là. Il est enregistré en France comme parent d'enfant français. Sa fiancée vit en France. La maman de ses enfants vit en France. Il y a beaucoup de filles, là, qui sont ici en France, elles partent au bled, elles portent la grossesse là-bas, elles viennent ici, là, elles accouchent, elles déclarent même pas le papa de l'enfant ici en France. Ça, c'est clair. Le papa de l'enfant, c'est que les enfants sont en France, mais il n'est même pas déclaré. Même les Français ne savent même pas que c'est lui le père de l'enfant. Ça, c'est clair. Daniel Sang est victime, pourquoi? C'est son ex qui lui a mis le solom solom dans le verre, avec la complicité de certains de ses amis dans le cinéma. Oh, maman. Tout ça pour nuire à celle qui est en France, pour qu'elle puisse changer d'avis, parce que son ex, apparemment, c'est aussi une fille qui a aussi misé sur Daniel Sang. Apparemment, c'est lui qui a aussi misé sur lui. Facebook n'a pas pour hélélélé. Mais il était déjà pris, il était déjà ailleurs. Et il savait que le gars avait eu son visa. Et la fille, son ex a piégé, on connaissait comme les hommes sont bizarres. La fille a piégé le gars. Parce que dans, quand un gars dit à une fille que c'est fini, c'est la femme qui finit généralement le mariage. C'est la femme qui finit généralement un foyer, une relation amoureuse. C'est la femme qui finit ça généralement. C'est dur pour l'homme de dire à une femme que c'est fini et il s'assoit, il est catégorique, je ne sais pas. Tu peux dire à une femme que c'est fini, peut-être que c'est toi qui as raison, bien je sais pas, anyway. Mais le jour où elle dit qu'elle va te mettre sous le dos, ça va le faire. C'est le cas de Daniel Sang. C'est le cas de Daniel Sang. Oh, maman. Daniel Sang a eu son visa, il est sur le point de venir. Et en même temps, il a aussi les projets en cours. Ça, c'est clair. Il a les projets en cours. Vous savez que c'est un acteur, que beaucoup de gens ont besoin de lui. Vous savez que c'est un acteur très talentueux. Vous savez que c'est un gars qui est vraiment, il a quelque chose là, il est né avec quelque chose. Quoi? C'est naturel, vous savez, c'est naturel. Ça, c'est clair. Donc, comme la fille a donc filmé Daniel Sang, elle a amené au niveau de ses amis, les amis de Daniel Sang, qui vous connaissez souvent les combis là, donc, ils disent souvent, parce que entre les hommes, c'est comme entre nous les femmes, entre les hommes, donc, ils connaissent les couples, les copines, ils se connaissent les copines. On dit que ma maman, tu sais même que la fille là, le gars là, ton Joe là, il avait le go, machin, tout comme ça, parce qu'il a eu le visa. Je continue à vous dire cela, que Daniel Sang a eu son visa pour venir en France. En tant que parent d'enfant français, il a eu son visa pour venir retrouver sa compagne. Et sa compagne est encore enceinte. Oh, maman. Donc, on fait d'abord tout ça d'abord pour faire que la fille peut-être pas noque les choses. Un. Et de deux, noque même pas un problème, mais lui, sa réputation. Quand on filme donc Daniel Sang, on l'amène. On dit à son ex que pour que ça marche bien, nous on va bien masquer ça, pour que ça marche bien, il faut envoyer ça chez Aïcha Kamouz. Quand je dis qu'Aïcha Kamouz, voilà le là où Aïcha Kamouz joue le grand rôle. Il faut envoyer ça chez Aïcha Kamouz. On envoie la vidéo de Daniel Sang chez Aïcha Kamouz. Celle-là conseille qu'elle a une forte audience dans les réseaux. Donc, s'il faut détruire quelqu'un dans les réseaux, il faut passer par Aïcha Kamouz. Mais elle a ses préférences. Parce que quand ça concerne ces gens, ses frères, je peux dire du village, si je peux utiliser le thème, elle ne fait pas ça. On a vu l'histoire de Moussa, le charismatique, là, avec sa femme, son épouse. Seulement en disant que oh, la femme est partie, comme elle avait les hommes dit. Aïcha dit qu'elle ne peut pas parler de ça. Ah bon? Et pourquoi? Parce que Moussa est sa personne. Mais mon frère, hey! On a vu Fingon aussi, là, et Noël, et Flore brésilienne. On a entendu comment Aïcha grondait Flore brésilienne, l'ex-épouse de Fingon. Que oh, si tu sors encore avec le nom de Fingon dans les réseaux sociaux, tu vas voir comment je vais te faire. Moi, j'ai de l'audience plus que toi. Elle a cassé l'histoire là. Ça, c'est clair. Il y a plein d'autres choses qui viennent ici dans les réseaux sociaux. Quand ça concerne ses frères, entre eux là-bas, elle n'aimait pas ça. Oh, maman. Mais moi, je vais dire à la mère de l'enfant de Daniel Sang, maman, tu es en France. Tu vis en France, tu es dans un pays de droit. Tu es dans un pays. Ici, en France, on ne joue pas avec la loi. La France n'est pas comme le Cameroun. Ici, en France, il n'y a pas que mon oncle, SSI, l'a appelé. C'est là, quand on m'avait appelé, j'ai appelé mon oncle, il a appelé là-bas pour dire qu'on ne regarde pas. Non. Ici, en France, il n'y a pas ça. Tu peux porter plainte à Aïcha Kamouz. Étant donné que le papa de tes enfants est enregistré en France. Quoi? Tu dis qu'elle a traumatisé. Elle t'a traumatisé même d'abord tes enfants.
et elle a mis la vie du papa de tes enfants en danger. Le gars peut piquer une crise, il peut mettre la corde, il go. Ça, c'est clair. Donc, tu peux porter plainte à lui chaque mois. Comme ça, quand ton compagnon va venir, qui est dernier sang, vous allez continuer la convocation, vous allez continuer la plainte de l'enfant. Même si elle est même si on l'enferme pas, porter plainte à lui, pas du tout la plainte. Même l'amende, une bonne amende, elle va toucher, elle va la toucher. Même si elle ne reçoit même pas une bonne amende, même si même pour payer, on avait l'avocat pour venir la défendre, que l'avocat comme ça, là, que l'avocat privé comme ça, c'est derrière 2 000 et consorts. Ça va entrer dans ses poches, elle va comprendre. Laisse mon frère, hey! C'est Aïcha Kamoz qui a partagé la vidéo de Daniel Sang. Partout où ça se trouve, c'est Aïcha Kamoz. Quand elle a fini de partager la vidéo de Daniel Sang, c'est comme ça qu'elle revient encore après. Elle dit que vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce qu'on m'a envoyé comme ça là. Et après maintenant, et tu protèges quelqu'un qui t'a envoyé une vidéo. Tu publies les messages, mais tu ne publies pas le numéro de la personne. Tu vois comment tu es, Aïcha. Tu publies les messages que la personne t'a contacté pour te donner la vidéo de Daniel Sang. Mais tu bats son numéro de téléphone. Mais tu préfères venir mettre Daniel Sang, lui, à la vérité populaire. Mais tu bats le numéro de quelqu'un que tu dis que tu ne connais pas. Tu caches son numéro de téléphone. Pour qu'on ne puisse pas localiser la personne qui t'a envoyé la vidéo. Tu vois ton jeu. Tu vois ton jeu. Moi, j'étais toujours motivée. Je t'aime parce que tu es une bonne battante. J'ai déjà acheté tes produits. J'ai ta mère ici, là, à la porte des clients pauvres. Je connais la maison de ta mère. Je connais où ta mère vit. Je suis partie là-bas. C'est même toi qui m'avais donné l'adresse. Je suis partie là-bas. J'ai acheté tes produits parce que j'ai dit que, pourquoi tu es allée chez les HP26? Pourquoi aller toujours chez les Macari? Voici une jeune soeur camerounaise qui se lance comme ça dans le business. Pourquoi ne pas la motiver? Je suis partie acheter tes produits. Il y a de cela un an aujourd'hui. Mais ce que tu fais n'est pas bien. Tu es maman de deux garçons. Quand on t'a envoyé la vidéo de Daniel Sang, tu n'as même pas, il fallait même pas venir parler même de ça dans les réseaux sociaux. Tu as combien de affaires qu'on vient te parler de tes propres gens que tu aimes, tu es pour ça dans les inbox. Pourquoi tu n'as pas écouté pour Daniel Sang? Je m'interroge. Tu es la première personne à rayer la vidéo de Daniel Sang. Donc ça veut dire que c'est toi qui as mené ça. Donc c'est toi qui dois l'avoir d'abord poursuivi. Bienvenue dans le nouveau local du Café Restaurant Aquanor. Papa est là. Au Café Restaurant Aquanor, c'est la propriété, la classe, le respect et l'accueil est chaleureux. Tu es où là? Le Café Restaurant Aquanor est spécialisé dans les menus africains et plus précisément camerounais tels que le macabondolé, le héro, la chèvre, le pot brisé, le concha et le taro tous les vendredis, samedis et dimanches. Vous pouvez également réserver le Café Aquanor pour vos mini événements de 45 personnes. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 35, 1070 Anderlecht, Bruxelles. Téléphone et WhatsApp 0032 465 99 61 et 78 ou encore le 0032 470 10 46 et 21. Le café-restaurant Aquanor dispose d'une belle terrasse pour vos différents événements en été. Moi, tu fais ça, papa de mon enfant, parce que un homme avec qui tu as les enfants, une femme avec qui tu as les enfants, c'est un lien à vie. Ce n'est pas un lien qu'un date d'opération. Non, c'est un lien à vie. Même si vous finissez, vous n'êtes plus ensemble. Sa famille va toujours te voir. Ta famille va toujours te voir parce que vous avez un enfant ensemble, vous avez les enfants ensemble. Je te mets là aussi. Donc, même si lui avant ne soit plus ensemble, qu'il est parti faire sa vie ailleurs, mais seulement le fait que c'est le papa de mon enfant et que mon enfant peut être mal, je veux te nier. Aïcha, tu es mauvaise. Et tu sais pourquoi tu as fait ça? Tu sais pourquoi tu as mis la vidéo de Daniel Sandéo? Parce que quand on t'envoie, comme tu as tout dit cela, quand on t'envoie certaines choses, pour que ça ne passe pas que c'est toi, tu envoies ça à tes amis, les Bapokam, les Baléa, les Bassi. Tu as envoyé ça, vous avez d'abord votre groupe d'abord WhatsApp de Congo ça. Tu as envoyé ça là-bas, tes groupes d'amis de WhatsApp, tes groupes d'amis de WhatsApp, on vous a envoyé ça à leurs amis. Parce que la personne qu'on envoie la vidéo là, c'est toi. Mais quand tu veux nous prouver que tu étais pas seulement assise, on est venu te contacter, ou machin, tu caches le numéro de la personne. Sors le numéro de la personne. Dis que c'est la personne qui veut détruire Daniel Sandéo. Sors le pourquoi tu caches le numéro de la personne, mais tu mets le nom de Daniel Sandéo. Oh, je viens de recevoir ceci de toi. Tu sais, Aïcha, je n'ai pas bête. Une fois, les amis. Je pense que j'avais même 11 ans ou bien 12 ans comme ça là. J'étais en deux avec mon père, on rentrait. Et on devait prendre le bus. Vous voyez les petits cars là, non? C'est comme ça qu'il pleuvait. Écoutez très bien, il pleuvait. Il y a des gens qui sont en pied, on soit les pieds attachés comme ça là. Quand on soit les pieds, on s'est sur les pieds comme ça là. Il pleuvait, il y avait un tonnerre de pluie qui grondait. Tout le monde pouvait, le monsieur la marchait avec ses babouches, il n'arrivait pas bien marcher. Je me suis mis à pleurer, je dis ouais papa, peut-être pas le porter, ouais, il va pleuvoir. Je dis ouais, pourquoi Dieu lui a fait ça? Mon père me dit que ma fille, Dieu n'est pas bête. Si Dieu lui a rendu comme ça là, tu ne sais pas pourquoi, faut pas juger Dieu. Donc toi, Aïcha, si l'infirmière qui t'avait injecté sur ton pied là, elle était comme ça là, elle était, ce n'est pas elle. Alors, pourquoi Dieu, quand on dit que Dieu va venir comme ça là, comme je suis assis devant vous, Dieu va venir comme moi comme ça là, pour venir te parler, il peut venir entre sur moi. Donc peut-être que c'est Dieu qui était, ou bien c'est ces anges qui sont entrés dans le corps de l'infirmière et qui ont été injectés là, l'injection là. Donc Aïcha, comme vous savez que depuis tous ces derniers temps, elle fait les va-et-vient au Cameroun, elle a fait sa série, ou c'est quoi le nom de ça, je ne sais même pas, je n'ai même jamais cherché même à voir, mais parce que j'ai compris que cette fille là, elle n'est pas bien. Non, elle n'est pas bien. Elle a sa série qu'elle a sortie. Il nous faut les sponsors, il nous faut les gens, il nous faut les partenaires. Donc pour le moment là,
Est-ce que c'est peut-être les derniers s'en viennent proposer un label, quelque chose, les derniers s'en viennent proposer quelque chose, ça va les nuire. Il y a aussi ces frères qui ont aussi sorti, il faut qu'on éteigne d'abord dernier sang. Il faut qu'on enlève d'abord au niveau des partenaires. Donc c'est-à-dire que les gens qui peuvent venir coller son image, dire que oui, j'achète ceci, je veux que ce soit autorisé. Non, il faut qu'on l'étage d'abord, c'est le travail là qu'Aïcha. Donc quand on envoie d'abord ça à Aïcha, on sait que c'est le travail là qu'Aïcha va aussi d'abord faire. C'est eux leur groupe d'acteurs. C'est eux, c'est leur travail. Aïcha, tu es mauvaise. Il faut changer. Il faut changer Aïcha, tu as deux garçons. C'est la même façon que toi et Léa, vous êtes bien arrangés, c'est là pour détruire la vie d'Emily Dani Basson, pour nuire à son image. La même façon que toi et Léa, vous avez bien fait la même chose ici à Léa. On dit que Léa venait dire cela, oh, Emily Dani Basson, elle double signe. Et quand elle était partie dormir chez son oncle, chez son frère, Emily Dani Basson a commencé à le toucher dans la nuit comme ça, comme ça. Mais la même Léa marche avec Noël Kemote. Chelsea était venue me dire cela, que Noël Kemote, elle double signe. Qu'elle passe souvent là-bas, il y a une chute sa sugar mamie. Ça là, vous avez perdu. Et ça là, elle marche avec Noël Kemote nuit et jour. Elle ne parle pas de ça, vous avez prouvé ça. Mais quand il faut venir détruire notre personne, vous êtes forte. Et Emily Dani Basson s'est défendue comme elle s'est défendue. Et oui, Dieu l'a aidé à coucher son enfant. Elle a un nourrisson en même temps. Elle se lève tard dans la nuit. Elle doit donner le tété. Ça fait pas deux jours. Elle est venue mettre que, oh, si c'est que le canapé rouge m'avait traumatisé. La mère, la mère des enfants de comment on appelle, Danielson, porte plainte à Aïcha Camoise en France. En France, il n'y a pas que mon oncle a appelé la PJ. La PJ a dit à la police des polices que non, ne me gardez pas parce que c'est le nom de Aïcha, bien ma grand-mère était l'oncle de Tétou. Non, porte plainte à Aïcha en France. Faut qu'on la suive avec son pied qui marche comme ça, faut qu'on la suive un peu. Porte la plainte en France, tu es en France avec elle. Tu es en France avec Aïcha, porte plainte à Aïcha parce qu'elle a traumatisé tes enfants. Et elle t'a mis mal, tu es enceinte. Elle vient salir l'image du père de tes enfants. Oui, elle vient salir l'image du père de tes enfants. Elle vient faire celle qu'on a seulement envoyé la vidéo. On t'a envoyé la vidéo, tu veux publier, tu veux nous montrer le message, comment on t'a écrit. Mais tu t'arranges à cacher le numéro de l'expéditeur, celui qui t'a envoyé la vidéo et le message. Tu t'arranges à cacher son numéro de téléphone. Pendant que toi, tu viens dire en thème, à mon dieu, hé, Daniel Sang, viens laisser ceci, hé, viens là, mon imbosso, oh, machin, de la vidéo de Daniel Sang. Et dans mon dieu, tu donnes, comment est-ce qu'on appelle? Tu donnes ton. Comment on appelle la j'oublie. Tu envoies les gens dans ton machin. Tu envoies les gens dans ton. Comment on appelle ton YouTube? Faut aller écouter. Parce qu'il faut que tu manges l'argent sur la dignité de Daniel Sang. Tu manges l'argent sur la dignité de Daniel Sang. Je ne sais pas ce que tu as dit, je ne suis pas partie de la vidéo, ça ne m'intéresse pas. Allez, je pense que ça m'énerve. Je vais parler, regarder ça. Aïcha, pas moi, si c'était la vidéo du fils de Léa qu'on t'avait envoyé, tu devais même dire ça même à mon Dieu, on t'a envoyé la vidéo du fils de Léa, il a où il est. Si c'était la vidéo même de ton père, parce que ton père vit encore, quelqu'un peut t'envoyer de ta part à ton père. Ton père vit encore, quelqu'un peut t'envoyer de ta part à ton père. C'était la vidéo de ton père qu'on t'avait envoyé comme ça, tu pouvais mettre ça dans les réseaux sociaux. Si c'était la vidéo de mon site au casse-moi, qu'on t'avait envoyé comme ça, tu pouvais mettre ça, tu pouvais même dire aux gens que tu as reçu une telle chose. Tu ne peux pas venir dire ça aux gens. Pourquoi à l'heure, à l'aise, dès que tu as seulement parlé seulement que oh, j'ai reçu ceci de dernier sang, c'est après pour moi que tout le monde a commencé à dire que j'ai eu la vidéo, j'ai eu la. Parce que tu sais ce que tu as fait. Tu vois que les gens sont bêtes. Tu as montré, tu dis que tu as rien d'écouté, mais je me suis dit que tu ne réfléchis pas. Tu te dis que les gens sont bêtes. Tu as pris la vidéo. On t'a envoyé la vidéo. Tu as appelé tes bons amis, tu les as appelés. C'est qu'est-ce que tu as appelé soit Léa. Tu as dit à Léa, tu as dit qu'envoie-moi, tu envoies à Léa. Léa, quand on va demain, quand tu vas envoyer Léa aussi, peut-être ses amis là-bas, ou c'est là, à Kézou, les manuels aussi, elle peut aussi envoyer. Hey, maman, voici ça, oh, Aïcha, envoie, voici ça. Envoie, voilà comment ça part comme le secret de ce soir. Elle va envoyer. Et les bas à Kézou sont aussi les amis aussi qui vont aussi en plus, on se dit que mais c'est ta personne que Léa, non, Léa, l'ami d'Aïcha. Donc, si Aïcha dit qu'elle a dit que Léa, ça veut dire que comme tu as donc envoie-moi aussi, on va aussi envoyer. Voilà comment la vidéo de l'enfant est partie partout. Mais le point au carrefour, c'est Aïcha à moi. Celle-même qui a fumé, on met d'abord celle-là à côté. Celle ou celui qui a fumé, on met la personne à côté. Mais comme la vidéo a été partagée, c'est comme ça. Tu as oublié que c'est un acteur de cinéma. Tu n'as même pas oublié, tu sais que c'est un acteur de cinéma. Et tu sais ce que tu fais. Mais avant de clôturer la vidéo, chers fans, allez sur Play Store ou App Store et téléchargez l'application TapTapSense, votre application pour envoyer de l'argent en Afrique. Donc avec TapTapSense pour envoyer de l'argent, tu n'as pas besoin de te déplacer, aller devant les microfinances, les tracasseries dans les banques. Avec TapTapSense, tu utilises juste ton téléphone, tu télécharges TapTapSense, tu paramètres. Lors de ton premier envoi, utilise mon code promo qui est NOSABI. Voilà comment NOSABI s'écrit. N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque tu utilises mon code promo pour ton premier envoi, tu bénéficies de 5€ si tu viens en Europe. Mais si tu es aux États-Unis, au Canada, tu dois bénéficier de 10$. Voilà. Donc, utilisez mon code promo TapTapSense. C'est le meilleur code promo. Hein. C'est le meilleur code promo dont les autres codes promo là. Et pour moi, ça se renouvelle. Hein. Donc, TapTapSense, c'est le meilleur. Je vous aime. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, pour mon like. Si ça te plaît, mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je veux avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je veux avec mon iPhone. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de sourire tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter.
Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un quiconque? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un quiconque? Sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du Victoire, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici c'était chacun à son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Fredeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es qui con? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es qui con?